Allez, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide. Alors, il semblerait, apparemment, je regarde un vidéoclip. Comme je dis, moi, je prends pas la peine de regarder ces gens-là. Vidéoclip, voilà, maximum 1 minute. Voilà. Quelquefois, je me fais violence, je fais 2 minutes. Mais ça peut se durer juste quelques secondes, moi, ça me convient. Bien. Il semblerait, apparemment, que le président directeur général. Il serait sur le point de dire que à partir du mois d'octobre, il n'y a plus besoin de passe-passe. Et comment c'est possible? Alors pour ceux qui avaient du mal à comprendre, l'exercice c'est de faire peur aux gens pour que le maximum de personnes se fassent injecter. Puis je regardais la tête du journaliste, déjà ça faisait un bail que je ne l'avais pas vu déjà. Je regarde jamais. Je trouve qu'il est un petit peu mieux. Puis je voyais aussi, il y en avait un autre que j'ai vu. Je trouve qu'ils sont pas en bonne forme quand même. Je dis ça, mais je dis rien. Peut-être que là, ils se rendent compte que la justice a déjà frappé à leur porte, pour certains, je pense. Ils sont pas frappé à leur porte. Mais c'est vrai que quand on est bien payé, grassement payé, qu'on fait partie d'un réseau, qui est quand même assez proche des poteaux, faut dire, hein, quelque part, puisque. L'entreprise, quelque part, elle appartient au poteau. Bref, elle a des poteaux. Bref, c'est vrai qu'on se disait, je pense que ça aide beaucoup, hein. Enfin, je parle du journalisme et je parle de toutes les fonctions, hein. Juste à la fin de vidéo, je vais m'attarder un petit peu sur l'éducation nationale et les écoles. Mais bon, toutes les fonctions, donc, grassement payées, entre guillemets, faisant partie d'un réseau, entre guillemets. Jusqu'à présent, il s'était dit, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Et là, il se rend compte que là, ça a pu le faire du tout, quoi. La justice est en train de frapper à la porte. Alors, comme je vous dis, donc le président directeur général, il semblerait qu'il dise que il est sur le point de dire que tu vas partir d'octobre, là. En août, hein. Début octobre, c'est terminé le passe-passe. Comme je vous dis, en ce qui me concerne, il n'est plus sur le territoire français et toute la clique aussi, c'est pas. Bracelet, tout ça. Le président, quelque part, il est passé par Cuba, hein. D'après ce que je crois comprendre. C'est vrai qu'ils sont ensoleillés, beau. Il y a la plage. Le sable blanc. J'étais en train de penser à un truc. On va arrêter là, on va dire ça comme ça. Alors oui. Donc, tous les gens. Tous les gens qui se sont fait avoir, okay, quand ils se faire injecter parce qu'ils avaient peur d'eux. Alors je comprends, j'ai vu des images aujourd'hui, donc des aides-soignants qui se font éjecter. Donc regardez ma dernière vidéo par rapport à toute la situation, comment je décrypte la chose. Mais c'est vrai que ça fait pas du bien. Ah, encore une fois, ça se passe pas qu'en France, hein, ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout dans le monde. Parce que les poteaux, quand même, je dis. On était quand même sur de la dépopulation, mais ils avaient un plan, quoi. Donc là, c'est de montrer aux gens ce que c'était que le plan, pour que les gens y comprennent. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être comprendre qu'en fait, ils se sont fait injecter pour rien. Parce qu'ils voulaient un passe-passe. Mourir pour un passe-passe. Ou se retrouver handicapé pour un passe-passe. Juste pour un passe-passe, vous donnez le droit de gagner. Pour la plupart des personnes, c'est juste le SMIC. C'est clair que quand vous serez bien malade, le SMIC, déjà d'une, vous l'aurez plus. Et avec ce que les poteaux ont décidé qu'ils pouvaient vous donner dans des circonstances, vous allez voir que ça va faire mal. Ça va vous revenir cher comme ça. Ça revient cher. Ça revient cher. Moi, je dis ça, mais je dis rien comme d'hab. Vous connaissez. Puis je regardais encore un truc sur un mur, donc. Ouais. Donc. Les carnets de correspondance. Dans mon temps, on disait ça dans les écoles, on appelait ça les carnets de correspondance. Donc, en gros, je pense qu'il y a, chez ça, c'est CPE, n'est-ce pas? C'est comme ça, hein? Ok. Qui avait mis une entrée dans un cahier de correspondance. Et puis, le parent écrit, ben, si vous n'arrêtez pas de me harceler, je crois que je vais porter plainte. Bonne réponse. Alors là, je dirais, moi, sur 100, moi, je dis 200%. 200 sur 100. Moi, c'est la note finale. 200 sur 100. Et ça fait 100. Non, ça fait 2.
Bref, 200 sur 100, moi c'est la note que je donne, pas celui-là. J'aurais aimé être l'enfant de cette personne. Allez, bon, je vous dis, y a des parents qui réfléchissent, puis là, un petit peu. Comme je vous dis, moi, personnellement, alors je donne des conseils à personne, mais moi je vois les choses très. Ok. Je commence à. Entre guillemets. Je rentre dans le mouvement de l'éducation nationale, si j'ai un enfant. En âge d'aller à l'école, moi carrément. Vas-y, je me donnerais du mal pour. Je me donnerais du mal pour l'éduquer. On va dire ça comme ça, personnellement. Personnellement. Bon, vu les circonstances, c'est bon. Ok. Et puis en plus de ça, si en fait mon employeur me menaçait de me faire virer, à la limite, je prends le papier, il n'y a pas de souci, comme ça je peux l'éduquer. C'est pour ça que je vois les choses. Après, ça vous doit. Après, je dis ça comme ça, peut-être d'une manière cavalière pour certains d'entre vous, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais je sais que si vous êtes abonné à votre chaîne, à cette chaîne, à ma chaîne, ok, vous savez ce que je veux dire quand je dis le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je pense que les poteaux, là, maintenant, ils se rendent compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En fait, comme je dis, ça fait partie du film. Donc là, maintenant, je veux dire, on est à la fin du scénario. Donc là, maintenant, il y a des gens, je regardais là, 21 jours, apparemment, moi, je dis, c'est début octobre. Il a dit 21 jours, apparemment. C'était le 11 septembre, il avait dit 21 jours. Pas, début octobre. Comme ça. Puis, comme par hasard, apparemment, le passe-passe pourrait disparaître hein, début octobre. Et puis il y a des. Ça tombe machin, je joue au Canada, en même temps il y a des élections, lundi, patati, patata, de toute façon. Y a des masques. Hein. C'est pas le masque de fer, parce que y a pas mal de. En fait, ça reviendrait à dire qu'il y a pas mal de personnes politiques ou de célébrités dans le monde qui portent un masque de fer. Non, ils portent. Il y a certains qui. Enfin, ils sont plus là. Ils sont plus là, voilà. Ils ont les bracelets, pour certains. Et puis apparemment, il y en a certains, ils sont. De ce monde, ils ont parti. On leur dit, bon, ça est bon. Okay. Et apparemment, il semblerait qu'il y ait des personnes qui sont parties sans regret. C'est un peu plus délicat, c'est le chat de le dire. Donc, oui. Donc, il semblerait que, apparemment, que début octobre, c'est fait. Et j'ai une pensée particulière pour les gens qui se sont fait avoir. Comme je dis, okay. La justice réglera le problème. Moi je dis, si vous avez participé, pour moi c'est la justice avec ce qu'il y a derrière. Si va s'occuper de vous. Okay. Comme je dis, il faut noter tout, vous gardez les petits papiers qu'on vous donne parce qu'on est sur crime contre l'humanité et gêne aussi. Allez, j'avais dit que ça allait être une petite vidéo, puis je la vois un tout petit peu enrouée, j'aimerais. Bon, allez, je vais aller reposer à voir. J'ai pas fait grand chose avec la montre aujourd'hui, j'étais quand même assez raisonnable, c'est le chat de le dire. Et peut-être qu'avant de faire la vidéo, j'aurais dû boire petit coup. C'est vrai que les poteaux ils ont bu des bons petits coups, c'est le chat de le dire, sur notre dos. Le moins qu'on puisse dire, ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher en sachant que là, entre guillemets, je crois qu'on a. On est en train, en étant avec le passe-passe, là, on est en train de mettre la dernière estocade à l'économie française. C'est-à-dire que tous les petits commerçants, c'est pour ceux qui n'avaient pas encore fermé la porte, bon. Les gros, ils se sont dit, ah, quand même, passe-passe, c'est un peu chaud pour eux. Ah, bonhomme, il va falloir faire quelque chose. Okay. Mais tant que les gros bonnets, ils n'étaient pas bien protégés. Tant qu'ils se sentaient bien protégés, il n'y a pas de souci. Mais là, quand ils ont eu, ah, passe-passe, c'est quand même un peu. Ah, passe-passe, c'est un petit peu fort. À la prochaine!